Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à rappeler que, les images utilisées dans toutes nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester poli et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Merci et bon visionnage à tous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée FD News, votre chaîne d'information et d'actualité en temps réel. Coopération Burkina Faso, Royaume d'Arabie Saoudite. Un conseiller royal reçu par le président du Burkina Faso. Le président du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a eu, dans l'après-midi, tête-à-tête avec le conseiller de la Cour royale d'Arabie Saoudite, Ahmed Bin Abdulaziz Gatam, porteur d'un message du roi. La visite s'inscrit dans le cadre des relations historiques entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso et vise à œuvrer davantage pour le renforcement des liens de solidarité, d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux pays. Nous avons échangé sur la situation de la sous-région, notamment sur la situation sécuritaire, et l'Arabie Saoudite est disposée à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le conseiller de la Cour royale à l'issue d'un entretien avec le chef d'État concernant le G5 Sahel, qui a également été abordé au cours des échanges. Ahmed Bin Abdulaziz Gatam a souligné que son pays s'est engagé à soutenir la coalition sous-régionale dans son combat contre le terrorisme, avec une enveloppe de 2 millions d'euros. Ahmed Bin Abdulaziz Gatam a transmis les salutations ainsi qu'un message du roi d'Arabie Saoudite au président du Burkina Faso. Par cette visite, selon le conseiller de la Cour royale, le roi de Sa Majesté Salam Bin Abdul Aziz Al invite le président du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, à effectuer une visite d'amitié et de travail au Royaume d'Arabie Saoudite. Et bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Vous informez à notre émission. Et bien, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Laissez vos impressions en commentaire et partagez celle-ci avec vos amis. Merci et bon visionnage à tous. Bye bye.